Bienvenue sur Eden Gaming. Aujourd'hui, nouveau tuto. Mais alors, rien à voir avec le gaming cette fois-ci. On va changer un petit peu. Je vais vous présenter aujourd'hui Captivity. Donc, tout d'abord, pour commencer, il faut le télécharger. Donc, vous allez dans votre moteur de recherche. Là, vous cliquez là. Ensuite, vous arrivez sur une page comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, très bonne note. Les étoiles, voilà, ça se présente comme ça. Donc visionner et enregistrer les programmes de 23 chaînes de TV française, voilà. Et donc là vous téléchargez, donc vous pouvez soit cliquer ici soit ici. Donc moi je l'ai déjà fait, donc c'est sur mon bureau. Et voici mon joli bureau avec Pokémon en fond d'écran. Captivity est là, donc vous allez dessus. Là, ça se présente comme ça. Ensuite, vous allez sur une chaîne, donc par exemple TF1. Et là, vous avez tout plein de programmes qui s'installent là. Donc, vous pouvez regarder donc des replays, mais vous pouvez regarder aussi en live, en direct. Donc si vous voulez regarder TF1 tout de suite maintenant, bah vous pouvez en fait. Là par exemple je suis sur TF1, j'ai sélectionné reportage découverte de 13h30. Et donc du coup, si vous pouvez pas le regarder tout de suite, vous pouvez l'enregistrer. Et après, ça vous permettra de le retrouver dans vos dossiers. Aussi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que vous pouvez revoir des programmes d'il y a, je pense, un ou deux mois. Ou peut-être même plus, hein, parce que donc ça, je le fais pas souvent. Mais là, on retrouve des programmes, genre par exemple Automoto, là, du 6 mai 2018, 29 avril 2018. Voilà, vous pouvez revoir des choses qui ont maintenant plus d'un an. C'est énorme. Donc moi généralement je regarde pas les trucs moi je regarde vraiment par là quoi. Ce qui vient de passer. D'ailleurs je regarde pas beaucoup la télé en ce moment, mais avant quand j'utilisais beaucoup Captivity, c'est comme ça que je faisais. Donc aussi vous avez, donc je vais vous faire voir, vous avez toutes les chaînes de la TNT. Donc là vous avez la 1, la 3, la Canal Plus, vous avez tout ça. Je vais vous faire défiler tout ça. Et voilà, vous avez tout ça comme chaîne. Et alors ça vous coûte rien du tout, c'est gratuit. Il y aura juste quelques mises à jour à faire de temps en temps, comme tous les programmes d'ailleurs. Hein. Alors pour voir la télé sur son ordinateur, je connais pas mieux que Captivity. Et alors voilà, pour accéder au direct, faut aller ici. Juste là. Accéder au direct en cliquant sur une chaîne avec le bouton droit. Donc vous pouvez télécharger la vidéo. Vous pouvez la visionner là tout de suite. Donc vous pouvez faire un clic droit pour visionner la vidéo, mais vous pouvez aussi aller la retrouver là. Et là, vous faites visionner ou télécharger. Donc moi, généralement, je télécharge pas, je télécharge jamais. Généralement, je visionne. En option, vous avez ça. Donc comme ça, vous pouvez mettre les sous-titres pour les malentendants. Vous pouvez faire un don au site. Aussi, ce que vous pouvez faire pour mieux vous y retrouver, parce que vous voyez, il y a vraiment beaucoup de programmes. Vous pouvez aller, donc on reste sur TF1 par exemple, là, et là, je vous fais voir, vous pouvez aller là. Donc là, je suis sur toutes les émissions en intégralité. Mais vous pouvez aller voir sur séries et fiction, ou divertissement, ou info. Max Peur ou Jeunesse, et ça vous permettra
d'avoir moins de trucs sous les yeux. Ça permettra mieux de vous y retrouver. Et voilà les amis, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose de génial. Donc vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Je vais vous mettre le lien en description. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Salut!